C'est quoi ce truc? C'est un ordinateur. C'est pas ça? Si, c'est ça. Et moi, je sais. Le zapping. Voilà. J'adore les guitares. C'est le zapping du Big Direct. C'est trop bien. C'est le zapping du guitariste. C'est trop beau. Abonnez-vous. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour essayer un ampli de la marque Invaders, le 530 Blue Verb. Alors Invaders, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque belge. Tous les amplis sont faits à la main en Belgique, il y a une large gamme. Aujourd'hui on va tester le 530 Blue Verb en tête d'ampli, qui existe aussi en combo. C'est un ampli type ESC Vintage, 30 watts, switchable en 15 watts, monocanal, mais avec un boost de gain, vous allez voir. Et avec des lampes 6L6, donc un ampli un peu type Fender, mais vous allez voir, pas que, un peu plus pêcheux, un peu plus rentre-dedans quand même. T'as cru que le jack c'était la tige de vibrato? C'est à un moment j'ai cherché. À un moment j'ai cherché un vibrato. C'était le jack. Non, ça marche pas. Je sais plus où je l'ai mis cette tige. Ah tiens. Tiens voilà. Non mais je l'ai enlevé volontairement parce que ça désaccorde. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va se questionner sur la position de l'accord Ré, tel qu'on nous l'apprend quand on débute la guitare, ok? Alors, on parle bien de cet accord, Ré, ok, D, Open, D, voilà. Alors, le sujet du jour, là, je vais peut-être pas me faire que des potes, mais le titre, même, pourquoi cette position de Ré est nulle? Thank you.
Today we're going to be taking a look at three really cool shred legato licks. La nouvelle PFX Circuits. Alors, vu que PFX est une marque française, on peut imaginer que c'est plutôt l'une que l'autre. Là, on est le lendemain matin de Metallico. Bon, la fatigue commence à se ressentir, n'est-ce pas? Là, c'est chaud, là. Donc, du coup, Metallica, verdict. Bon, j'ai reçu d'ailleurs sur Instagram des messages trop bizarres au sujet du concert Metallica, mais j'ai l'impression que je ne vais pas du tout être objectif quant au fait de dire si c'était bien ou pas bien, parce que dès les premières notes de guitare, j'ai tout de suite surkiffé, en fait. Mais je pense que c'est le côté fanboy. Donc ici sur le début d'un blues en si bémol, et nous allons démarrer par une anacrouse, c'est-à-dire que on va démarrer un tout petit peu avant le début de la première mesure officielle, si je peux m'exprimer ainsi. Pédale d'effet que je viens à peine de recevoir, il s'agit de la Dolamo Vintage Distortion. Je branche tout ça et c'est parti. Alors, je l'ai payé très exactement 530 bahts, ce qui fait 13,50€. Connaissez tous ce titre, c'est Creep du groupe alors méconnu Radiohead, et à l'époque c'est une petite révolution qui connaît un immense succès partout dans le monde. Et cette réussite va perdurer, le titre se classera 118e dans le classement des 500 meilleures chansons de tous les temps établi par Rolling Stone. Plus tard il atteindra plus d'un milliard de streams sur Spotify, et en 2012, soit 10 ans après sa sortie, il trouve encore sa place dans des classements comme dans le top des singles de l'année en France. On va baisser un peu le gain pour bosser. Ça suffira. Aujourd'hui, on va bosser sur Led Zepp. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche.
Le génie de Jimmy Page, mais pas que de lui, hein, mais quand même, c'est d'arriver à fabriquer des riffs d'enfer. See what this is going to wind up with. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une petite question pour vous. Quelle est la différence entre ces deux solos ? Si vous galérez à trouver la réponse, alors ce que vous allez trouver dans cette vidéo changera à tout jamais votre vision de la guitare et du coup de votre jeu. Et bonjour, aujourd'hui on va fabriquer un loaded pickguard. Donc voilà, le loaded pickguard, c'est quelque chose que je propose à la fois à mes clients à l'atelier, mais aussi sur ma boutique en ligne sur mon site internet unbarguitar.com. Je vous laisserai le petit lien dans la vidéo. En fait, un loaded pickguard, c'est tout simplement un pickguard qui est absolument équipé pour être monté directement dans votre guitare. Là, c'est pour les Stratocaster. Donc moi, ce que je vous fournis, c'est la plaque, les trois micros, les trois potentiomètres, le sélecteur, le câblage, le jack, tout est fait. Si t'as envie d'apprendre ce plancheret très cool qui va t'aider à te déplacer sur ton manche, et bah t'es au bon endroit. Salut à tous, c'est Shredding. Cette chaîne a pour but de vous aider à développer votre technique et à mieux comprendre certains concepts à la guitare. Tous les plans que nous allons voir aujourd'hui sont téléchargeables au format Guitar Pro et PDF en cliquant sur le premier lien dans ma description, et il y en aura même un en bonus. Salut, c'est Aristide, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à l'essai, j'ai une guitare absolument unique entre les mains. C'est une Rogero Guitars. C'est parti!
Le meilleur moyen de se balader librement sur son manche, ce n'est pas d'apprendre ses 5 schémas de gamme. Pas tel quel en tout cas. Ce serait une terrible erreur qui va vous faire perdre des heures et des heures de travail. Vous prenez le problème par le mauvais bout. Ce serait tellement génial d'avoir juste besoin d'apprendre ses schémas pour pouvoir faire de super improvisations à travers tout le manche. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour vous donner une image très simple, imaginez-vous devant un clavier de piano. C'est pas compliqué, chaque touche blanche représente une note de la même gamme. Ok, maintenant ce que je vais vous demander de faire, c'est d'improviser quelque chose de joli. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez réussir à faire des pseudo-mélodies, ce qui est très très bien, mais si je commence à vous imposer une grille d'accords derrière, vous n'allez pas faire grand chose finalement. Sur la cloche. Quelle cloche? Celle avec le bouton abonnez-vous. Merci à tous les youtubeurs.